j'ai préparé l'assiette de ma petite chérie, elle est restée jouer. Elle s'est fait des copines dans la piscine avec la nanny. Et la petite assiette est prête. On mange en amoureux. Luna, elle est restée jouer avec les copines et nanny dans l'eau. Et après, elle vient. Non. Et toi, tu vas aller au dodo. Non. La sieste. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Les bébés aimaient pas faire ça. Non, mais regardez l'idée de Luna. Elle a retourné une table. Elle a mis du papier tout autour. Et elle a mis une couverture et pour que son frère y dessine. Incroyable. Les amis, bon, je vais vous mettre un réel pour l'offre ESN. Donc c'est dans quelques minutes. Vous avez moins 50%. C'est une fois dans l'année. Donc c'est le moment d'y aller. Je vais vous mettre un petit réel là avec tout ce qu'il faut. Et aussi, je vais vous mettre en, bah, juste ici le lien si vous voulez suivre la compétition de Maxime. Il m'a demandé de vous mettre le lien parce qu'il n'a pas trop de réseau là-bas. Donc voilà, nous, on va le mettre là sur la télé pour qu'on puisse suivre avec les enfants. Donc si vous voulez suivre également, il a reçu pas mal de demandes. Je vais vous mettre le lien ici. Il faut juste cliquer sur le premier. Déjeuner, c'est toujours comme ça parce que je déjeune toujours après les avoir déposés. Je n'ai pas de temps. Et je suis venue près de la crèche de Vito parce qu'il y a le spectacle ce matin. Je vois le spectacle de mon petit bébé. Voilà, sur le thème de la jungle. Il va être déguisé en petit lion. Trop, trop mignon. Donc voilà, je vois son spectacle ce matin. Ensuite, je vais aller travailler. Il faut aussi que je prévoie parce que bientôt c'est l'anniversaire de Vittorio dans quelques jours la semaine prochaine. Donc bah, ce week-end voilà, on va faire son anniversaire. J'avoue que j'ai pas encore préparé les choses. Et comme vous le voyez, je n'ai pas eu le temps de me coiffer du tout. J'ai des taches de lait ici. C'est une catastrophe. En plus, le matin, j'arrive maintenant, je me lève un peu plus tôt. Je prends la douche. Normalement, je le faisais après les avoir déposés. Là, je le fais avant et tout, j'arrive à me préparer. Mais je suis toute prête et tout. Et quand il boit, bah voilà, il m'en met. J'ai toujours des tâches. Je crois que les mamans qui allaitent, hein, vous me comprenez. Je crois qu'on a tous vécu ça, toutes vécu ça. Donc voilà, qu'est-ce que je disais. Donc voilà, j'ai pas eu le temps forcément de me coiffer et tout ça, mais c'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Et ce soir aussi, on a papa qui rentre, enfin, il rentre chez lui, mais on va faire un repas pour lui, aussi pour lui remonter un petit peu le moral. Voilà, pour lui remonter un petit peu le moral, parce que si vous avez vu ses stories, il est un peu démotivé, démoralisé, parce que... bah, il n'a pas gagné, il n'a pas été dans le top 5 et lui c'est un échec pour lui, sauf qu'il était en Inde. Les 4 premiers, il y avait 4 hindous, les 4 premiers sont des hindous. Et comme je lui ai dit, en fait ces personnes-là, peut-être qu'ils peuvent pas, ces athlètes-là, ils peuvent peut-être pas aller dans d'autres pays. Donc forcément les promoteurs vont faire gagner leur athlète de chez eux. Il y a de l'argent à la clé, il y a des qualifications pour Olympia, c'est quand même un rêve d'une vie. Et donc, ces gens-là, c'est peut-être leur seule chance dans le sens où ils ne peuvent pas forcément faire d'autres compétitions. Donc, c'était un petit peu écrit entre guillemets, donc il a quand même voulu le faire parce que c'était à côté de Dubaï, à 3 heures de vol, je crois, mais voilà, c'était sûr.
Après, c'est vrai que c'est énormément de sacrifices. On le voit au quotidien. Lui, c'est vrai qu'il s'entraîne beaucoup avec les repas aussi. Il fait attention. Donc, les enfants, il ne peut pas trop les prendre parce que ça aussi, on me dit, mais pourquoi tu ne laisses pas tes enfants à leur père et tout? Mais en fait, il ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'il est vraiment focus sur ses compètes, il est focus sur ses entraînements, ses repas. Il ne peut pas, entre guillemets, gérer les colères et tout, parce que sinon ça va le perturber dans sa préparation. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que les enfants sont tout le temps avec moi. Parfois j'aimerais bien qu'ils soient un peu avec papa. Mais bon, voilà. Et aussi pour eux, parce qu'ils le réclament. Mais bon, je pense que là, vu qu'il va revenir, on va pouvoir. Ils vont pouvoir aller un petit peu, au moins un ou deux jours avec papa, ça va leur faire du bien, lui aussi. Hein. Et c'est pas du tout qu'il aimerait. Je disais, c'est pas du tout qu'il veut pas les prendre, c'est juste que il est tellement focus sur sa qualification à Olympia, etc. que voilà, il reste concentré. Et du coup, quand il n'est pas qualifié ou quand il n'est pas dans les top 5, etc., c'est un vrai coup dur pour lui. Donc là, ce soir, on va lui préparer, il a le droit de manger. Il a le droit d'avoir un cheat meal, donc on va lui préparer quelque chose, plein de trucs qu'il adore. En fait, on va faire c'est Luna qui a eu l'idée, elle va faire une énorme table avec plein de trucs, tout ce qu'il aime, genre pizza, burger, tacos, etc. Et comme ça, il pourra choisir. Donc voilà, de toute façon, je vous montrerai toujours tout ça hein, sur Snap et tous les retrouvailles avec les enfants et tout. En tout cas, hier, quand ils l'ont regardé, ils étaient comme des fous. J'arrivais à rien entendre. Il criait de partout, papa, papa. Victor, lui, il faisait les muscles et tout. Dès qu'il voyait la télé, il faisait les muscles. Il était trop marrant. Bon, voilà, je suis arrivée pour le spectacle de bébé. Et donc, je vais prendre plein de vidéos hein, pour montrer à papa et Luna ce soir. Et ce soir, on va faire un repas tous en famille. Voilà, pour le retour de papa, pour lui remonter le moral et pour le féliciter parce que c'était quand même une belle compète.